Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelon asiatique dans un arbre à peu près à 400 mètres de haut. Donc on est le 20 novembre. Et vous allez voir qu'il est gros. Et surtout, il est, à mon avis, blindé de monde. Allez, je vous montre. Voilà, juste là. Allez, je vais m'habiller, me protéger, mettre des bottes pour pas se faire piquer, bien sûr. Et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Bon. Allez, c'est parti. On va grimper. On va faire attention. Ces petites branches qui vont me faire chier aussi. Ouais, je vais avoir la poudre là-dessus derrière nous. Bon. Bon, il faut savoir que le nid est déjà énervé. C'est normal. Puisque. Puisque automatiquement, en bougeant les branches, déjà des attaques. Faites attention. Donnez-moi ça les amis. Voilà, je vais pas trop parler. On va surtout agir. Regardez-moi combien il est gros. Allez, on va envoyer la poudre. C'est chaud, un petit pouce, un petit pouce. Oh, regardez, ils veulent pas que je fasse des petits pouces. Regardez ça. C'est chaud patate. Allez, on va essayer d'ouvrir le nid un peu. Regardez-moi comment c'est plein. Thank you.
Allez, on est sur la partie redescente. Donc il va falloir faire attention, hein, bien sûr. On garde la voiture très loin de l'intervention. Normal, hein. Bon, les dédés, vous me guidez derrière. Hein. Vous me dites s'il y a une branche, parce que je vois rien. Hein. Je vois rien du tout. Le savon noir, ça marche très bien pour la buée. Alors les confrères, si vous avez des problèmes de buée, savon noir. On frotte avant l'intervention avec un chiffon, nickel. Je ne sais plus quel abonné m'a donné cette idée, mais je le remercie. Chaud patate. Allez, on arrive au bout. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit combat. Hein, n'hésitez pas à partager, le petit pouce bleu pour encourager. Surtout, faites attention aux frelons, ne les touchez pas. Et je vous dis à très bientôt les dédés.